Bienvenue sur la chaîne YouTube de Geek MPS, et Geek MPS avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog, donc tout se passe sur le blog. Aujourd'hui, je vous présente la caméra Andauer AN300 qui m'a été envoyée par la boutique en ligne TomTop.com. Donc je les remercie énormément. Qu'est-ce qu'on trouve dans le package? Quelques accessoires, mais surtout la caméra et son petit boîtier étanche, et l'arme absolue, la télécommande. Tour du propriétaire de la caméra, caméra ultra simple, on peut la visser sur un pied, mais il faudra penser à mettre une rondelle car c'est trop petit. Ici, nous avons une trappe avec la batterie et la carte SD qui est ici. Au-dessus, trois boutons, power, wifi, prise de vue. De ce côté, HDMI et micro USB. Ici, de LED de notification, un écran et un écran à l'arrière. Pour l'allumer, c'est très simple, on appuie sur le bouton power. Elle s'allume assez rapidement, ce qui est pas mal. On a tout de suite le niveau de la batterie. Elle est bien pourvue en menu. Pour accéder au menu, vous appuyez 4 fois. Et ensuite, vous descendez dans les menus suivant ce que vous voulez. Elle propose plusieurs modes. Mode webcam, mode ralenti, mode voiture, mode détection de mouvement. Elle a énormément de qualité. La particularité quand même, c'est qu'elle a un écran pivotable. Alors, les caractéristiques, elle est censée filmer en 4K, comme c'est écrit ici, mais en fait, c'est de la fausse 4K, c'est de l'interpolé. Donc, c'est de la 2K, franchement honnête. Les vidéos sont franchement de bonne qualité. Bon, c'est pas hyper top, mais c'est bien. Il lui manque un stabilisateur, et c'est peut-être le seul vrai reproche qu'on peut lui faire. Donc voilà, tout plein de modes. Dès que vous la branchez en USB, elle vous dit est-ce que vous voulez faire webcam ou est-ce que vous voulez envoyer les fichiers. L'autre qualité, c'est qu'on peut la piloter en Wi-Fi via l'application. Eh bien, ça va pas. Voilà, c'est parti. Donc, tout est pilotable via l'application. Donc, avec la télécommande, on peut lancer ou arrêter une vidéo. Et ça, c'est hyper pratique, surtout si vous avez des moufles. À l'avant, on n'a plus l'heure qui s'affiche, mais le petit chrono. Et ça, c'est bien pratique. Voilà, j'espère avoir fait le tour du propriétaire et ne rien avoir oublié. Vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires. Vous aimez bien ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, pareil que YouTube est content. Moi, ça m'est totalement égal.
Et je vous rappelle qu'on est un blog. Et ça fait toujours plaisir des pouces vers le haut. Et ça nous... C'est une façon de nous remercier du travail.